je m'appelle Clément, j'ai 29 ans, je suis un ancien juriste. Je m'appelle Bastien, j'ai 29 ans, je suis un Saint-Brieuc. Je suis alternant chez Sanofi depuis le mois de janvier en tant que développeur data et intelligence artificielle. Je suis aujourd'hui alternant chez Sanofi en tant que développeur data IA. C'est grâce au partenariat entre Sanofi et l'école d'intelligence artificielle par Microsoft que j'ai pu me reconvertir professionnellement dans un domaine d'avenir. Notre objectif en tant qu'alternant chez Sanofi, c'est de mettre l'IA au service de l'industrie ainsi que du business et que cela soit profitable aux patients. Le terme IA est en fait un abus de langage pour dire machine learning, car en soi, elle n'est pas intelligente. C'est le volume important de données qui nous permet de développer des programmes capables d'apprendre une tâche spécifique. Cela libère l'humain des tâches chronophages à faible valeur ajoutée sur lesquelles il peut malgré tout garder la main. Et c'est en ce sens qu'a été développé le projet pour VistaLink. VistaLink est une application maison utilisée partout dans le monde. Elle sert à gérer la création ou la modification d'artwork et leur workflow d'approbation. On peut être amené à modifier une notice, par exemple, pour ajouter une mention réglementaire. Il y a environ 18 000 modifications d'artwork par an, avec parfois des délais d'implémentation très courts. Il nous a donc paru intéressant de voir si des contrôles pouvaient être automatisés. C'est un projet qui a nécessité une prise de connaissance de l'application existante, ainsi que de choisir les outils d'intelligence artificielle les plus adaptés aux besoins. L'idée est de contrôler automatiquement la présence de pictogrammes sur une boîte de médicaments grâce à de l'analyse d'images et de reconnaissance de texte fondée sur l'IA. Comme l'humain, le programme va venir parcourir une image unique et mettre en évidence le pictogramme reconnu. L'intérêt ici est de pouvoir importer de multiples images qui, elles, vont être traitées simultanément par l'IA. Notre objectif était double, accompagner pendant leur formation des personnes en reconversion et faire entrer dans nos équipes des techniques nouvelles pour les mettre au service de nos métiers. Une de nos attentes était aussi que ces alternants au parcours atypique posent un regard nouveau sur nos activités, ils nous bousculent un peu. À ce jour, nos objectifs sont déjà atteints, mais en dehors de VistaLink, d'autres projets avancent. Nos alternants sont avec nous jusqu'en avril 2021. Ils sont motivés, ils peuvent mettre en œuvre ces techniques au service de nos projets.